C'était le... l'héritier du trône. L'héritier des Kozuki. On le voit. C'est piqué ça, le gars. Oh non! Mais non. C'est pas Mika. Et les frérots, j'espère que tout le monde va bien incarcé. On les trahit par la famille. On les oublie pas. Pour les rocks family. C'est qui ça? Kerry. Kerry James. Tu connais pas, c'est pas soit bon bien. Il a dit barbe blanche, écoute là. Lui il a dit Shirohige. Donc sur ce les frérots, j'espère que tout le monde va bien. Nous on va bien. Tout le monde va bien ici, on est au complet comme d'habitude. L'équipe au complet. Ardian, force à toi. Les frérots, aujourd'hui c'est parti pour l'épisode 910 de One Piece. Là il va se passer une dinguerie. Flashback de Den. Flashback de Den. Flashback de Den. Flashback de Den. On a vu la preview et ils vont expliquer un petit peu au Den ce qui va se passer. Oh my gosh. Moi j'ai hâte de voir ça. All damn fucking male elfie. Mais normalement, dans les scans, ils parlent de ça, mais beaucoup plus tard. Donc je sais pas comment ils vont le. Ah, vous m'avez dit que genre ils vont. Avancer. Ouais, avancer ce qui se passe dans les scans. Bon, ou alors je me souviens. Ouais, parce que là, ce qu'on voit, c'est des trucs qu'on a vu il y a pas si longtemps. Ah ouais? Ouais. C'est possible qu'ils ont interverti, c'est possible. Ouais. Mais bon, on verra, hein, Oden, vous allez enfin comprendre la puissance. Après, un flashback, tu peux le placer un peu où tu veux, non? Dans un manga, généralement. Non, ça c'est dépend. Parce que Oden, c'est un personnage. Parce que si tu teases le flashback, tu vois. C'est ce qu'ils ont fait à l'épisode précédent en parlant d'Oden. Non, mais ça, ils avaient posté de la chute des 9 fourreaux rouges. Ça aussi, ils l'avaient fait dans le manga aussi. On verra bien. Ça se trouve, ça va être 10 minutes. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite parce que j'étais trop hype l'épisode précédent. Par les 20 ans. Il s'est dit, what, nani? C'est vrai que j'étais vraiment fucked up. Hein, Anthony, ouais, il était foutu. Bah, vas-y, on va balancer cet épisode. Let's go. Que tu voulais pas baiser, quoi. Tu voulais baiser ouais, une meuf. Ouais, voilà, et t'as baisé un type, c'est normal, tu sois dégoûté. Tu veux dire. Ah ouais, il y a eu les équipages, enfin. Presque tous. Il manque Franky, Zop et le Zoro aussi. Le prochain Zoro. Épisode. Et Zoro qui est resté derrière les bâtons de tigre. Ouais, mais apparemment, c'était dans les commentaires, j'ai vu que dans les scans, il n'y a pas eu cette scène. Le tigre, il était hors écran. Ouais, il l'a dit. Comme nous l'a dit. On sait que le tigre, il apparaît en tout petit, genre tu le vois presque hop quand tu lis normalement. Ah, mais... Et lui, il a fait la liaison, il a dit si, on le voit, regardez. Ouais, il était énervé. Il s'appelle comment le type qui a commenté? Akashi. C'est encore lui. Allez. C'est encore lui. Akashi. Rekaminpachi. Il y a 20 ans, commence. Hein. C'est parti. Des informations. Oh shit. Ah, enfin, c'est ce qu'on voulait voir. Oh, ça c'est la femme d'Oden, je suis sûr et certain. Oui. Toki. C'est ça? Toki. Hein? Ouais. Ok. L'homme admiré de Roger. Et pas que de Roger. Et pas que. De Roger. Ouais, Roger, c'est Roger, il aimait bien. Il aimait bien Oden. Non, c'est-à-dire que il admirait Roger, admirait cet homme. Oui, oui. Bah, pour qu'il l'ait pris dans son équipage, gros. Rappelle-toi sur Zou qu'il était sur l'équipage de Gold Roger et qu'il a été jusqu'à Raftel. C'est qu'il était important. Ouh, oh, il y a un petit peu de couleur quand même. Hein. Ça se voit charismatique. Ah, ça voit, c'est vrai. Toi. C'est quoi? Qui ils ont choisi pour la voir? À ce point-là! T'as quel timing avec les scans quand même? C'est fou hein! C'est fou! Moi c'est frais dans ma tête. Et là, sur Regard Oden,
Une zone de non-droit, c'est genre. C'est genre là où il y a que les criminels, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, il n'y a personne qui commande, il n'y a pas de loi, tu vois, vraiment rien. Même le shogun, même le chef de Wano, il a dit ouais, j'ai pas envie. J'ai pas envie de gérer ça. Il a rien sur lui, frère. À qui? Pas besoin. À qui? Bah, sûrement. Pourquoi ils montrent pas là, les orques? Ils veulent pas montrer son visage. Mais ils vont pas nous le montrer encore. Ouais, tout, il est tout fort. Hein. Sans ça. Les femmes. Hein. Ouf. C'est un homme d'honneur, hein, tu le ressens. C'est pas la mère de. Il veut la de bas là. Ouais. Qui va être. Il a l'air sacrément fort. Oh shit, man. Shitsumaru. Ouf. C'est un combat très important, les amis. Tu sais que le combat, on l'a même pas vu dans les scans, là. Oh, il est big. Lui, c'est l'ancêtre de Yokozuna, là, l'autre. Ouf. Il ressemble à... Ouf. En un coup. Ouais, ouais. Il a mis... Oh. Ah, j'ai des frissons. Voilà, là. J'ai des frissons. J'ai la même. Non, après, il les a forcés à prendre. Hein. Ah, c'était des chômeurs. Alors, quel homme. Comme quoi. Comme quoi, ouais, à la base, c'était un trou à rats où les gens, il n'y avait pas de loi, etc. Molem. Comme dirait certains présidents. Et il est devenu Daimyo de Kuri. Ah, à 20 ans. Mais gros, c'est... Oui. Au moins 20 ans. On dirait la 40 pistes d'or. Ils savent pas le passer. Mais il a plus de vécu que n'importe qui. Tu n'imagines même pas. À 20 ans, frère. Là, il a déjà tout fait dans le pays. Il a déjà fini les yeux, gros. Il a déjà trouvé le One Piece deux fois. À deux endroits différents. Truc. Comment c'est un peu trop étroit? Il voulait parcourir le monde. Ah. Bon, en même temps, si à 20 ans t'as déjà conquis tout un pays. Quel homme, hein, ce Oden. Oh, ils étaient petits. Oh putain. On voit pas. Oh, il me donne des frissons, gros. Des frissons de fou. Est-ce qu'on va. Oden qui bat le racisme. Non, moi là. Oh. Voilà là. Faut pas le. On se crête. Non, y'a pas. J'ai envie de pleurer, gros. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de pleurer. Quel manga. Quel anime. Qui a charmé Barbe Blanche et était admiré de Roger. J'ai que des frissons, frère. On parle d'Oden Kozuki, les amis. C'est qui ce Pablo, gros? Il est arrivé, il a soulevé le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il doit aller chier, quoi. Je crois. Oh, le vomi. Le vomi. Ah, c'est pour ça que tout le monde doit chier, c'est vrai. Tout le monde devait aller chier depuis le début. Ils sont tous malades. Oh, shit. T'es frissant. Orochi. Fils de pute. C'est vraiment un chacun. J'insiste. Hein. Et ouais, le titre de l'épisode, c'est l'homme admiré de Roger ou... L'homme admiré de Roger, c'est bon. Ah, on a vu les 5 minutes, c'est bon. Ah bah regardez, ce plan-là qu'il devrait y avoir, c'est l'image qu'il y a eu dans le scan. On va
le voir peut-être. Il va se perdre. Normalement, il devrait y avoir un plan large. Où on verra toute la ville avec le tigre par terre. Qu'est-ce qu'il va faire encore ? L'alcool. Ouais, bah voilà, c'était ce plan-là. Et là, on voyait le tigre par terre, tu vois. Mm. Personne n'a vu ce tigre, à part Akashi. Ouais, ils ont dû lui faire un sale coup fourré. Oh non. Mais pourquoi il s'assoit ? Putain, pourquoi le fils s'énerve comme ça alors que c'est même pas. Il a rien à voir ? Qu'est-ce qu'il a dû lui parce dire ? Que Oden, il a les mêmes idéaux que Luffy, tu vois. Et c'est le père à Momo. Et c'est le père à Momo aussi. Ouais. Non. Ah, allez. Oh. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait une dispute entre eux. Ouais, c'était l'héritier du trône. L'héritier des Kozuki. C'est Pika ça, ou quoi? Oh mais non. C'est pas Mika. Ah, raison, il se bat. Oh, c'est trop dark ce qui se passe. Ouais, là, il y a un truc sombre. Et donc, il avait une sœur, Momo. Mm-hmm. Oh merde. Mais qu'est-ce qu'il parle? Oh shit. Ouais, mais frère, c'est pas le moment. Le petit. Il a pas envie de mourir. Quoi, j'ai une machine? Ou un fruit du démon? Oh, oh. Sale plan. Attends, on avait. Ok, déjà c'est bon, c'est un fruit du démon. On avait pas ça comme info, gros. Donc, elle a un fruit du démon qui permet d'aller dans le futur. Ouais, mais pas dans le passé. Mais, ouais, mais du coup, ça fait combien. D'où elle vient? Ça fait combien de temps? Tu vois ce que je veux dire? Elle vient du siècle oublié? Dans les sketchs, je me souviens pas qu'ils aient. Ils ont jamais dit ça. Dans les sketchs, ils ont jamais dit qu'elle venait du passé, frère. Enfin, que voyager. Ils avaient pas. Imaginez, elle vient du siècle oublié, gros. Ou j'ai pas lu le scan. Mais non, on s'en bat les yeux. Non, mais ça se trouve, elle a lâché des informations au petit. Ouais, 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 ouais. Ah, gros, il y a la sœur. Il y a la petite sœur. On sait pas ce qui arrive à la petite sœur. Je mets un flash. La petite sœur aussi, c'est vrai. Putain, j'ai de ces frissons. Momo est trop classe. Oh putain. Et sa fille? Et sa sœur, je veux dire, wesh. Et pourquoi elle part pas avec eux? Parce qu'elle a dit, c'est ici que je dois mourir. Et apparemment, elle peut voir... Dans le futur, tu crois? Ben... Ou peut-être son pouvoir, c'est soit STPL, soit les autres. Mais ils sont arrivés où? Azou? Dans le même endroit, mais plus tard. Ouais. Quand donc elle est morte, elle, c'est pas TP elle aussi quelque part? Non, non. Elle est restée. Gros, il y en a un vu relever Momonosuke, mais on sait pas c'est qui a relevé Momonosuke. Ah, c'est Kikyu. C'est Kikyu. Putain, j'ai même pas vu. Hein. Mais là, là, un autre truc. Je l'avais pas vu avant. Du coup, il était pas là. Tu sais que je me disais. Mais j'ai pas fait attention, je sais pas. Bah, ils voient leur tombe. Donc, va. Donc, tu vois, pour eux, ce qui vient de se passer, c'est récent, ça fait pas 20 ans, tu vois. Oh, oui, c'est donc la mort de son père, ça fait. Il y a quelques mois, quoi. Même pas, je crois que c'est en semaine. Tu vois, c'est ils ont, en semaine. Non, ils ont dit il y a quelques mois. Ça, ouais, ça fait quelques mois. Entre 5 mois. Il a dit ça fait 5 mois quand il racontait l'histoire. Ok, depuis. Ok.
Putain. Oh merde. En 20 ans, ils ont tout changé. Alors que c'était tout prospère quand il y avait Oden. Mais eux, il y a 5 minutes avant, c'était tout prospère. Oui, bah oui. Mais les paroles de la mère. Écoute, oui. Je pense que... Les bâtards, ils l'ont mis. Oh, oh, les déchets. Oh, shit. Qu'est-ce pas ce qu'il... Oh là là. Oh là là. Putain de merde. C'était une pure folie. Comprenez-vous de maintenant de Oden Kozuki. Fucking Malalpha. Quand je dis ce nom, vous devez avoir des frissons. J'ai des frissons. C'est normal. J'en ai. C'est normal. C'est un truc de malade. Oden Kozuki. Oh, une drogue. Mais il est énervé. Putain, quelle histoire de malade. J'ai trouvé les frissons derrière. Je pensais pendant l'épisode, je voulais le dire, mais je me suis dit, je vais attendre. Ouais. A few moments later. Je vais voir ça que je voulais dire. La mère de Momonosuke, elle vient du passé. Du siècle oublié. On sait pas d'où elle vient. Imagine, elle vient du siècle oublié. Alors on a parlé à Oden. Oden, il est parti où? Dans l'équipage de Roger. Roger au courant de tout. Par Blanche aussi, du coup. Pour oublier. Mais gros, c'était un épisode de folie. Ouais, oh, les informations qui circulent là, oh là là. Il y a énormément d'informations, hein. Même pour nous les lizards de Scan. Tous les lizards de Scan. Ah bah, il y a eu deux, trois, y a eu deux, trois petites infos. Et leur rôle que j'ai dit avec. Elle vient du siècle oublié. Je sais pas. Je sais pas. Parce que possible. Ça... Franchement, bah, moi je pense que c'est possible. Imagine, ça je veux dire. Je sais pas, ça, c'est quand même allé vachement loin quand même. Ça va loin. Hein. Ça va très très loin, tu vois. Si elle vient du passé, non, genre si elle vient de, je sais pas, 50 ans en arrière déjà, c'est pas mal. Hein. Mais siècle oublié, c'est. Bah, si elle travel, elle peut jump time comme elle veut. Est-ce qu'elle n'aurait pas un bon jump time après qu'elle a jump time Ça se trouve, elle reste un an, elle saute. Et si maintenant, maintenant elle avait pas un bon jump time après avoir jump time Mais est-ce qu'on l'a vu morte, elle? Momonosuke et tout. Ça se trouve, elle a encore. Bah non, on l'a pas vu morte. Non, non, je pense qu'elle est... Mais je pense qu'elle est morte. Et il y avait aussi la sœur de Momonosuke. Ouais, je pense qu'elle est morte. Et. Bah non. Elle est pas morte, frère. C'est sûr, elle est pas morte. Mais si, elle reste avec la daronne, elle est morte. C'est impossible. Peut-être qu'elle l'a envoyé. Elle l'a aussi envoyé autre part, tu vois, ou peut-être elle a été sauvée, mais en tout cas, elle est pas morte, sa sœur. Les gars. Et vous lisez les scans, je suis certain qu'elle est pas morte. Je sais pas. On sait pas encore dans les scans. On ne dira rien, ok, arrête. Ok, les frérots. Alors, putain d'épisode One Piece. Validé. Validé. Comme d'habitude. Oden Kozuki. Il est trop fort, ce mec. Tout le monde. Non, c'est un putain d'épisode. Non, on a kiffé, les frérots. Franchement, c'était un putain d'épisode. Des informations qui circulent, comme on aime, du One Piece. Ouais, du One Piece. Ça. Du One Piece. Ça, c'était du One Piece. De toute façon, c'est Oda. Il te dit je te fais un épisode, genre 50%, il y a R. Et puis, entre temps, tu dis ouais, Zoro, c'est le père de. Ah. C'est bon. Genre, tu donnes une petite info, Scred. Genre, une information qui circule. Tu te tapes à la gueule. Vraiment, mais sans l'info, tu vois, qui te tabasse. Là, il est arrivé, il a dit ouais, Oden il s'est battu et tout, ouais, c'est cool et tout. Elle peut envoyer dans le passé. Quoi? On espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, suivre sur Twitter, s'abonner. Et on se revoit bientôt. Et surtout, partagez-nous la vidéo. Ouais, partagez-nous. Et tout, quoi. À la prochaine. Ciao. Ciao, la famille. Ciao.